Comment réduire le taux des handicapés malvoyants au Bénin? La question préoccupe l'ONG internationale islamique de la charité. Elle lance sa 7e campagne sur la cataracte et le glaucome. L'objectif étant de prévenir et de guérir ces différentes maladies chez les patients. Nous avons choisi de faire la cataracte et le glaucome parce que nous avons vu que la population est vraiment atteinte par ce mal-là. Et la vue étant un organe tellement important pour nous et pour nos concitoyens, compatriotes, nous avons décidé de les aider et au travers de l'AICO pour pouvoir les dépister sur la cataracte et le glaucome. Donc vous venez, vous faites dépister. Lorsque on vous diagnostique que vous avez la cataracte ou le glaucome, vous serez programmé pour les opérations soit le jeudi, vendredi ou samedi. On exhorte la population à sortir massivement, à venir pour pouvoir se faire dépister. Parce que vous savez, la cataracte, ça peut conduire à une cécité progressive. Le dépistage d'environ 1000 personnes pour 1000 personnes. Et ceux qui sont retenus pour les opérations, nous avons 140 qui sont maintenus pour passer à l'opération jusqu'à ce moment. Les interventions chirurgicales seront assurées par des experts venus de l'Égypte. L'ONG Coétienne œuvre depuis 1994 dans les domaines socio-éducatifs et sanitaires au Bénin.